vous salue au nom de Jésus. Je suis le prophète Joël Crasso. J'ai un message de paix pour toi, peuple africain. Merci, c'est une très 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 belle question. Il faut dire que le prophète d'abord Joël Crasso était en Europe à faire la musique. Je suis musicien. Je joue à tous les instruments d'ailleurs. Je joue à la percu, je joue à la batterie, je joue à l'orgue et tout ça. Et j'étais aussi en 90, 89, par là, avec cette histoire de Ouassu à l'école. On avait le système de Royo et tout ça. Donc moi, j'ai batté beaucoup, je chantais. Et donc, quand je me suis converti dans le Seigneur, arrivé en Europe, j'ai fait missologie, j'ai fait musique. Et en 2000, ça c'est mon deuxième album d'ailleurs, en 2004, je mets un album sur place qui est sorti à trop peu de musique. Donc, Repentance, le premier album, le titre c'est Repentance, où je mets Prophète K, où Lato Crespino à faire, n'est-ce pas, mes cœurs, Jésus, Jésus Adana. Jésus Adana, que vous allez, ça c'est une de mes chansons, Lato même le sait. Il y a deux aussi qui servent, qui connaissent mon mouvement. Donc j'ai mis, et ça c'est mon deuxième album d'ailleurs. C'est pour dire que la musique fait partie du quotidien du chrétien. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu sied dans la louange. Dieu sied dans la louange. C'est pas une réconversion, mais toute fois qu'il y a un culte, nous chantons. J'ai mis l'album sur pied pour dire que en fait, le prophète, c'est vrai, qu'il traque les sorciers, mais il est aussi chantre. Il est aussi chantre. Ah oui, nous sommes tous nés pour vaincre. Dieu n'a pas mis un vaurien. Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons des vaincus. Dieu nous a créés pour que nous soyons des vainqueurs. Et regardez un peu comment se compose l'homme d'ailleurs. Quand on parle de la spermatozoïde, au niveau de tout, c'est des milliers. Et ce qui rentre dans l'ovule, c'est le plus fort qui rentre dans l'ovule. Ça peut dire quoi? Nous, en tant qu'être humain, Dieu nous a créés pour vaincre. Donc, je parle de né pour vaincre, pas forcément les Crasso qui est né pour vaincre, mais je parle à chaque être humain pour me dire, en réalité, pour vaincre même, la vie était affaire d'un combat. La vie de chaque jour, c'est un combat. Et pour remporter cette victoire, pour avoir cette victoire, il faut se donner véritablement à Jésus. Il faut se donner à Jésus parce que la vie est un combat. Et je mène net pour vaincre, c'est vrai, c'est le titre, mais pour vaincre, n'est-ce pas, les difficultés de la vie, il faut se donner à Jésus-Christ de Nazareth. L'album compose des titres. La diverse langue, puisque la corde du Loir, nous sommes tellement riches en culture, nous avons 60 ethnies. D'abord, je chante en bété que ma langue. Elie la donini ma madudu pata luma yai nyomo sunyoni wa madudu pata. Voilà, et je chante en guéré. Ta Jésus en ouin, il s'est béé maï. Où Jésus m'a levé, je ne l'ai jamais oublié. En gourou, ce qu'on peut retenir, c'est pour dire que nous sommes un. C'est vrai que la Côte d'Ivoire, il y a diversité de cultures, mais nous sommes tous un. Et surtout, il faut chanter Dieu dans nos langues. Vous voyez, ce n'est pas forcément français. Nous avons notre langue, nous avons notre langue. Et si nous sommes convertis, peut-être que nous chantons Dieu dans nos langues. Non, il n'y a pas de... ça ne se coigne pas. Ouais, il y a d'abord le ministère. Dieu d'abord m'appelle d'abord ministère. Donc d'abord, la première des choses, c'est d'aller faire des nations des disciples, qui est le ministère de la compassion des âmes. Donc je prêche l'évangile, je gagne des âmes à Jésus. Mais pendant mes croisades, je chante. Voilà, j'ai mis un album sur pied, ce qui est un message. Voilà, par la Bible, par toute occasion favorable. Paul pouvait dire à Timothée, en toute occasion favorable ou pas, prêche l'évangile. Donc moi, je me suis dit, pourquoi ne pas mettre de la musique en place? Et étant même absent, ma musique, même dans les maquis, dans les boîtes de nuit, donc je disais. Voilà. Jésus sous en effet, les Occidentaux qui pensent coloniser l'Afrique ont pu le faire parce qu'ils ont radiqué la sorcellerie. Ce qui est encore terrible, c'est-à-dire qu'il y a trois morceaux sur l'album qui, dès que tu es envoûté, si toi tu es un grand sorcier, dès que tu écoutes l'album, le quatrième morceau d'ailleurs, le quatrième morceau. Et puis le premier morceau, Gagri Bali, le sixième morceau, c'est des morceaux, dès que tu es sorcier, il y a des vibrations, directement t'es terrassé, quoi. Voilà, donc l'album a été consacré. Bon, moi, c'est d'abord, pour le lancement de l'album, il faut toutes sortes de... D'abord, c'est mon staff managérial qui gère ce côté, voilà, qui va gérer ce côté. Tout ce que j'ai prévu, c'est de mettre les moyens que l'album soit connu, et surtout ce qui est plus intéressant, c'est pour évangéliser. Mais tourner, peut-être dans l'avenir, mais tourner, c'est pas ce qui est plus important. Moi, ce qui est plus important dans l'album, c'est qu'il faut que ça passe, mon message passe,
et que l'on sente que Jésus est Seigneur et qu'en se donnant à Jésus, Jésus pourra faire de nous des vainqueurs. Oui, vous êtes déjà bénis parce que le prophète ne prie pas, il proclame. Voilà, c'est la proclamation, je vous bénis, soyez prospères et surtout, je demande que vous DJ vraiment chantez Jésus. S'il vous plaît, peut-être que c'est peut-être un peu insolent de ma part, peut-être si vous voyez ça un peu, peut-être, mais parlez de Jésus. Et c'est lui la parole. On ne peut pas le faire sans parler de Jésus. Donc je vous annonce Christ qui est la parole faite chère. Que Dieu bénisse. Jésus,